Merci à Dieu parce qu'il t'a réveillé ce matin. Il a réveillé ton mari, il a réveillé ta femme, il a réveillé tes enfants. Dis-lui merci. Toi qui nous regardes des quatre coins du monde, prie pareillement. Dis-lui merci parce qu'il t'a réveillé ce matin. Il a réveillé ta femme, il a réveillé ton mari, il a réveillé tes enfants. Toute la gloire lui revienne. Je veux seulement dire merci, oh Jésus. Je veux seulement dire merci, oh Jésus. Je veux seulement dire. Je veux seulement dire. Prophétise ta vie. Dis de bonnes choses sur ta vie. Dis de bonnes choses. Tes ennemis ont lancé de mauvaises paroles, mais toi, prends ta bouche. Dis de bonnes choses sur ta parole, sur ta vie. Dis de bonnes choses sur ta vie. Sur la vie de ton mari, sur la vie de ta femme, sur la vie de tes enfants. Dis de bonnes choses. Il a dit, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Tous tes ennemis ont échoué. Les paroles ont échoué. Tout ce qu'ils ont planifié, tout a échoué. Je suis béni. Nous sommes bénis ce matin. Nous sommes prospères ce matin. Nous sommes prospères aujourd'hui. Nous sommes guéris aujourd'hui. Notre vie, notre situation est en train de changer au nom de Jésus-Christ. Nous prenons autorité sur tout esprit qui ne concourt pas à la gloire de Dieu Jésus-Christ. Ton Dieu est tout puissant. Ton Dieu est le puissant des puissants. Ton Dieu est le Dieu des cas impossibles. L'impossible est possible au devant de lui. Lui qui transforme le bois vert en bois sec, le bois sec en bois vert. Lui qui ouvre, personne ne peut fermer. Lui qui ferme, personne ne peut ouvrir. Confie-toi à lui ce matin.
Confie-toi à lui ce matin. Donne-toi à lui ce matin. Approche-toi de lui ce matin. Fais amitié avec lui. Fais camarade avec lui. Il n'a point de Dieu comme toi. Jamais, 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 il n'y a point de Dieu comme ce Dieu que j'ai en train d'adorer ce matin. Comme toi, il n'y aura point d'autre Dieu. Comme toi, je n'ai pas vu de Dieu. Comme toi. Mon Dieu, médite et te dit que ta prière est exaucée. Que tu sois ici, que tu sois en bas, que tu sois en haut, d'en haut, ta prière est exaucée. Toi qui nous regardes des quatre coins du monde, prends ta part. Vous avez écouté ce matin beaucoup de témoignages. Beaucoup, 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 beaucoup de témoignages. Ça me fait gagner beaucoup de points. Amen. Quand tu es béni, c'est moi qui gagne. Amen. Quand tu es guéri, c'est moi qui gagne. Amen. Qui ne veut pas voir son enfant réussir? Le monsieur, on va montrer son visage, c'est sa femme qui le gérait. Monsieur Chat, on voit son visage rapidement, ce monsieur-là. Pour braquer son image sur moi. Voilà. J'étais dans la chambre et je le regardais parce que sur les nets, on voit. Amen. Ça m'a encore fait du bien de l'écouter. Son Goliath est tombé. Amen. Il a vu même ses ennemis. Il a vu la main de Dieu lui donner la guérison. Amen. Maintenant, Dieu à son tour lui dit, femme qui est à côté de toi là, il faut la marier. Amen. Je ne dis pas sois guéri d'abord. Je dis dans la maladie là, le fait d'avoir la force de marcher là, mari-femme là. Il dit non, c'est-à-dire, non, ça veut dire, non, non, si, bébé, dis donc, non, si. Dieu merci que nous n'avons pas fait école, on ne peut pas parler gros français. Si Dieu dit rouge, on dit oui. Si Dieu dit vert, on dit oui. Amen. Amen. C'est ce qu'il n'a pas fait. Voilà pourquoi le diable l'a emporté. Mais pourquoi on est difficile comme ça? Hein? Vous croyez que quand vous allez mourir là, les gens vont partir d'ici? Non, hein? Non, hein? Tant que le contrat avec Jésus n'est pas fini là, on est ensemble. Alléluia. Amen. Si un jour Dieu me rappelle, il n'aura pas cette même onction là, c'est pas possible. Quand Oufou était là, et puis aujourd'hui là, c'est la même chose. Jamais. Moi-même, je sais ça. Je sais que Dieu va prendre ça, le mettre dans le corps de quelqu'un d'autre. Élie a demandé double force. Élisée a demandé double force, pardon, à Élie. Il a reçu ou il n'a pas reçu? Il a reçu. Il n'a pas dit, Élisée n'a pas dit à Élie, donne-moi l'argent, donne-moi ta veste, donne-moi ta je suis.
Il dit ce que Dieu a mis en toi, puis c'est extraordinaire là. Je veux le double. Première force là, c'est ce qu'il a mis ici, il a mis ici Naaman. Et puis il y a eu témoignage là. Maintenant, deuxième force, où on l'a enterré Élisée là. On partait enterrer un corps. Et puis le corps a touché les os d'Élisée là. En même temps, le cadavre qu'on partait enterrer là, il a repris vie. Ça peut aller? Amen. Ça peut aller? Amen. Merci beaucoup, mon fils. Faut vérifier. Merci. On acclame le Seigneur pour lui. Dieu te dit, femme là, il faut la marier. Tu dis non. Sa maman lui avait dit, fils, je te donne une femme. Il répond à sa maman que je suis grand pour que tu me donnes une femme. Elle dit ce que tu viens de me dire là. Si demain je rends l'âme, tu vas me suivre. Le jour qu'on faisait le programme de sa maman parce qu'elle est décédée, les villageois sont arrivés un matin à la maison chez lui, à Bidjan. Ils ont fini de faire le programme et puis ils sont rentrés. Son lendemain matin là, c'est là les mots. Donc ça fait deux corps. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas obéi à la voix de Dieu. Quand Dieu parle, le diable aussi parle. Si tu ne crois pas, prends la Bible, tu vas voir, on dit il est écrit. Le diable aussi dit il est écrit. Donc si tu n'écoutes pas la voix de Dieu, ça va te fatiguer. Amen. Amen. Je ne me suis pas levé comme ça pour prendre ma femme que vous voyez là. Non. Maman bénie. Je ne me suis pas levé comme ça. Non. Je ne me suis pas. Non, 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 non. J'étais allé prier pour son papa à Yopougon. Dès que je suis arrivé là-bas, son papa me dit, ne prie pas pour moi. Je t'ai appelé juste pour que je te serre la main. C'est tout. Puis je lui ai serré la main. Et puis c'est fini. J'ai pris ma route. C'est comme ça, ça n'a pas duré, puis il a rendu l'âme. Il y a une camarade de Béné qui est en Allemagne. Elle est prophétesse. Celle qui a appelé Béné pour lui dire, ton mari là, c'est papa Florian. Elle dit, il faut quitter dans ça. Alléluia. Amen. Il faut quitter dedans. Il vient de perdre sa femme. Il est dans la douleur. Il ne faut pas me parler de ça. Elle dit, je vais te dire quelque chose. Je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Je suis en Allemagne. Longtemps, je suis là-bas. Mais voici ce que Dieu me dit de te dire. Un dimanche, l'homme de Dieu s'est déplacé avec toi pour aller chez ton papa. C'est vrai ou c'est faux? Elle dit, c'est vrai. Il est allé faire quoi, l'homme de Dieu, là? Elle dit, pour prier. Est-ce qu'il a prié pour ton papa? Elle dit, non. Il ne faut pas me dire, elle te dit ce qui s'est passé là-bas. Ton père a tendu la main comme ça. Et puis l'homme de Dieu a mis sa main dedans. C'est votre dot là qui est là comme ça. Il t'a doté en esprit sans que tu ne saches. Donc si tu veux faire le tour du monde, tu vas retomber au cas de départ. Sinon, je ne me suis pas levé comme ça pour dire, hey, viens, viens. Non. Donc, quand Dieu te parle, pardon. La vie, là, vous la voyez comme ça, elle est courte. À une fraction de seconde, tu peux partir. Tu es en bonne santé, et puis une fraction de seconde, tu peux partir. Qu'est-ce qui arrive à ce monsieur-là?
Ça me fait mal parce que les sorciers ont eu point sur moi. J'avais eu point sur eux par rapport à sa guérison. Maintenant, lui, à son tour, ça devient 1-1. Oh Dieu, là, il gagne toujours. Il n'y a pas match nul, c'est Dieu. Que son âme repose en paix. Que Dieu donne une nouvelle femme. Un nouveau mari, pardon, à ma fille. Là. Vous l'avez écouté, comment ça s'est passé? En moins d'un mois, le monsieur qui ne marchait pas, qui avait une grosse cylindrée, c'est un boss, hein? Un boss. Il est riche. Il est riche. Mais regarde comment les sorciers l'ont rendu. Vous montrez où il dansait un peu là. Il a vu danser un peu là. Où s'est levé un peu. Voilà. Tourne un peu, voilà. Allons-y. Tu sais danser et puis tu n'as pas fait mariage. Changeons de conduite. Prends la voix de Dieu d'abord. Avant de prendre pour ton papa, pour ta maman, pour ton entourage. Pour Dieu, là, il y a effet dedans. Et maintenant, l'autre témoignage, c'est mon fils Brissy. Sa fille dit, son papa est déjà programmé, il faut qu'on le mange. J'ai dit à mon fils Brissy, si tu te mets derrière moi, c'est nous maintenant qui allons manger ta fille. Alléluia. C'est parce que c'est doux. C'est parce que c'est doux. Elle a mis accident. Car elle est renversée à cause de lui. Et c'est qu'il y a eu beaucoup de blessés à cause de celle-là. Le doigt où elle porte bague là. Oui, il porte bague là. Elle a fait pourrir ça. Comme il tourne des dégâts. Le monsieur, son fils qui devait sortir comme ingénieur, si c'est pas Petrosi, si... où on fait pétrole là. Elle a gâté ça. Son papa n'arrive plus à joindre les debout. C'est comme ça qu'on lui a parlé de papa Florian. J'ai dit, ma fille, quitte tes temps. Elle dit, elle ne peut pas. Que là-bas, elle a jet privé. Elle a les meilleures voitures là-bas. Les meilleures maisons là-bas. Elle ne peut pas quitter. Je dis, bon, comme ici, c'est chez moi. J'ai autorité sur toi. Je vais me déplacer. Vendredi, je serai chez toi à la maison là-bas. Là-bas, c'est ton camp. Je vais te reposer la même question. Et c'est comme ça, vendredi, c'est arrivé là-bas. Je dis, où est ta fille, là? Il faut la faire sortir. Ma fille, ce que tu as dit lundi, là, c'est comment? Elle dit, c'est déjà fait, on ne peut pas. Amen. Amen. Son papa a fait une offrande et puis il a fait un petit don. C'est pas la quantité là, c'est le geste là. Geste là. C'est ça qui l'a tué le mardi en même temps. On l'a enterré ensemble dans, je ne sais pas, 2 ans. Hein? Sorcier n'est rien au devant de toi tant que tu seras avec le Dieu de papa Florian. Maladie ne peut rien te faire tant que tu seras devant le Dieu de papa Florian. La stérilité ne peut rien te faire tant que tu seras devant le Dieu de papa Florian. Il m'a envoyé pour toi. Moi, je ne suis rien. Mais celui qui est en moi est tout puissant.
Alléluia. Crois en lui. Chasse le désespoir en toi. Sois toujours positif, comme a dit l'autre. Daniel a été positif. Joseph a été positif. Malgré la prison, malgré les attaques, Joseph est resté serein. Quand on prenait Daniel, ils ont fait quelques pas pour l'envoyer devant la fosse. Il pouvait là jeter éponge. Mais il a dit, quoi qu'il advienne, mon Dieu va m'enlever des dents. Amen. C'est comme ça que tu dois voir la chose. Amen. Je voulais dire à une de mes filles parmi vous, songe et puis vision, c'est pas la même chose. Rêve et songe. Tu te lèves comme ça un jour, tu dis, tu rêves déjà de devenir un grand. Amen. Tu rêves déjà de devenir un grand. Si tu t'appuies dessus, ça peut s'accomplir. Mais il y a ce que Dieu montre. Tu t'appuies haut, tu ne t'appuies pas dessus haut, ça s'accomplit. Alléluia. Fais rentrer ceux qui sont devant. Cantique. Hein? Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Donc, comme je disais là, je dis à ma fille, si c'est Dieu qui t'a donné un message par rapport à quelque chose, et puis la chose n'est pas accomplie, c'est que ça ne vient pas de Dieu. C'est toi-même qui as préparé ça, et puis ça ne s'est pas accompli. Sinon, moi, je sais que Dieu a envoyé un ange devant Zacharie et sa femme Élisabeth. Vous connaissez la suite. Et après, Dieu a envoyé un autre ange chez Marie, la Vierge Marie. Il a donné tous les détails. Vous connaissez aussi la suite. Zacharie et sa femme, ce que l'ange a dit là, la chose est accomplie. Ce que l'ange a dit à la Vierge Marie, là, la chose est accomplie. Amen. Vous avez quel problème? Les sorciers ont fait réunion. Ils disent, il faut qu'on tue Papa Florian. Quand ils appellent l'âme de Papa Florian, au lieu que ce soit l'homme qui vient, c'est feu. J'ai croisé une dame dans une église
jeune fille, pour ne pas que les gens de l'église la fatiguent. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Je lui ai donné un paquet de révélations divines. Je lui ai dit, vends, prends 30% dedans. Et puis le reste là, tu me donnes, je vais reprogrammer encore pour toi. Puis je suis rentré. 3 jours m'a appelé. Elle dit, c'est fini. Elle a pris sa part. Elle dit, il faut me donner 2 paquets. 1 semaine, c'est fini. Elle dit, il faut me donner 5 paquets. Donc, elle s'est acheté un nouveau portable. Son teint a changé. Elle dit, mais j'ai tout laissé fonctionner de papa Florian. Donc ça veut dire que le garçon ne peut plus la blaguer. Parce qu'elle-même, elle se bat. On ne la voyait pas. Parce que sa maman, sorcière, était derrière elle. Maintenant qu'on la voit, sa maman dit à son petit-fils, c'est-à-dire la grand-mère, la dame qui vend les sachets là, son enfant, sa grand-mère, a dit maman de la fille là, lui dit, est-ce que je peux t'envoyer à Abidjan? Son enfant au village là. Et puis elle est à Abidjan, s'y cherche. Grand-mère dit, est-ce que je peux t'envoyer? Elle dit, mémé, c'est pourquoi? Sachez que ta maman vend là. Il faut prendre tout pour envoyer. Si tu envoies ça avant minuit, sauce de l'homme qui est au feu là, si ça a cuit là, il te donne un gros morceau. Il faut que je voie ça avant la fin de la cuisson. Amen. Amen. Vous savez que les enfants aiment beaucoup manger la viande. Donc il est venu, puis il a pris en esprit le paquet poilé. D'où ça fait qu'il n'y a plus de clients. Personne ne l'appelle. Rien. Même le joli portable qu'elle a acheté est tombé dans sauce graine. Non. Quand son sorcier est derrière toi, elle est derrière toi. Il dit c'est tombé dans sauce graine. Vous connaissez sauce graine des gens de l'Ouest, là, c'est loup comme ça. Qu'elle a levé, c'est devenu comme beurre de sucre. Amen. Amen. Portable est gâté. Et l'enfant a pris le paquet là pour le déposer. Et tout c'était autour du feu, le sorcier là. Il restait 2 minutes comme ça pour que ça cuit. Dès que l'enfant l'a déposé, leur marmite là, qui était au feu là, a commencé à se soulever seul. Est-ce que vous voyez un peu l'histoire? Marmite qui est au feu comme ça, attends-moi. Celle-ci qui est bon? Voilà. Mamie qui a fait comme ça. Dès qu'il a déposé le paquet, mamie t'a joué comme ça. Je vous dis, le chef haut, son agent haut, chacun commence à faire marche arrière. Si le patron fait marche arrière, et toi le. J'ai une grosse mamie là. Ça commence à prendre peur. Au fur et à mesure que ça monte, chacun fait marcher. Chacun fait marcher. Et tu attends à une certaine hauteur. Bouah! Alléluia!
commence à s'interroger. On a souffert comme ça pour avoir ça. C'est qui ça? Quand ils ont su que c'est petit là, aïe. Ils l'ont frappé. Alléluia. Ils l'ont tellement frappé que matin il se réveille, ses yeux là fermés, enflés, tout enflé sur lui, tout. C'est dans sa confession là, il parlait comme ça. Puis j'ai donné les gélules rouge noir. Voilà. Il a dit non, il ne peut pas toucher mes sachets là, ça ne serait pas bon pour lui. Il a donné les gélules là. C'est comme ça qu'il a pris sa guérison. Amen. Ça peut aller? Amen. Donc quand l'autre monsieur dit on doit gérer, allons-y. Montre d'abord l'image, dépêche-toi. Et un monsieur qui a parlé le samedi, il a dit non, on doit prier pour la petite. C'est normal. C'est normal. Mais en même temps, il faut qu'on marche la Bible. Je suis d'accord avec lui. Est-ce qu'il sera prêt à prier chaque nuit? Est-ce qu'il sera prêt à marcher tous les jours de ta vie selon la parole de Dieu? Est-ce qu'il sera prêt? Le chrétien qui n'est pas sorcier, là, avant de se baptiser, il se répand d'abord. Quand il finit, on le plonge trois fois dans l'eau. Il devient une nouvelle créature. Mais les trois mois qui suivent là, il va rentrer dans le péché. C'est vrai, c'est faux? Avant trois mois de son baptême, après trois mois, il va tomber dans le péché. À plus forte raison, un sorcier. Il y a une petite, elle est descendue en bas, et puis brusquement elle est montée là-haut. J'ai dit, mais ma fille, pourquoi tu cours? Et je viens dans en bas là-bas, il dit de sortir dans la sorcellerie. Mais elle est toujours dedans. Elle est toujours dedans. Malgré l'ange qu'elle avait là, elle est toujours dedans. Si vous voyez un sorcier se confesser, c'est vrai qu'il a fédéré lui. C'est pour ça que quand il parle là, il parle posément, posément. Vous avez vu aussi, tu n'as pas trouvé? Alléluia. Amen. Il a 14 ans, mais il est comme ça. Vous connaissez l'histoire? Il a fait dormir une église à Bassam. Quand il est rentré dans le temple, là, pasteur, bishop, diacre, balayeur, tous les... Ça ronfle. C'est jusqu'à midi qu'il les a libérés. Quand ils se sont réveillés, mais il est où? Parce que c'était au diacre, ça, je suis là-bas. Ouais, la voilà. Ah. Voilà. Il s'est donné maladie. Pendant qu'on le soignait là, pendant que sa maman le soignait, il a tué sa maman en même temps. On l'a mis à l'école. CP1, il a fait combien de fois? CP1, CP2, CE1,
Le directeur dit non, va travailler en même temps. Ah! Va, si tu n'es pas travaillé, va à l'université. CP1, trois fois. CP2, trois fois. C'est à quel moment ton papa va manger ton argent? Amen. Amen. Mais quand il est venu ici, puis je lui posais des questions là. Mais il répondait poliment, oui tonton, oui tonton, oui tonton, oui tonton, oui tonton. Mais ça l'a pas empêché de venir à minuit avec son staff, avec un jet privé, son garage là. Comme il est le chef, il a dit au pilote, là, ne descends pas. Et tu n'éteins pas le moteur. Alléluia. Alléluia. Tu restes là. Ses camarades l'ont dit, mais chef, nous, on n'a jamais vu ça. Il dit, oui, on n'a jamais vu ça, mais où on s'en va, là? C'est la fin du monde. Donc, reste au volant, n'était pas. Ils ont dit, bon, comme tu as dit, toi-même, il faut te mettre devant. Et puis, on va te suivre. Parce qu'habituellement, on éteint tout, tout le monde descend, et puis on s'en va. Mais cette fois-ci-là, mets-toi devant. C'est comme ça, l'homme est devant. Ils ont marché jusqu'à arriver au carrefour là. Quand il a penché sa tête et puis il a vu l'ange là. L'ange a fait ses yeux comme ça. Mon vieux, sauf qui peut. Ah, il n'a qu'à venir ici. Il a eu la chance. Parce qu'il était le dernier à monter. Un pied m'est resté. Dans l'air là, je sais pas. Non. C'est difficile. Si c'est ton propre enfant, si c'est ton propre enfant, tu ne peux pas l'envoyer quelque part. Ce que tu dois faire, je vous donne maintenant le secret. Hein. Merci, papa. Madame et toi, vous devez te regarder dans la même vision. C'est tout. Monsieur, madame, doivent regarder dans la même vision. Là, en ce moment, votre enfant qui est dedans là, ne peut pas. Mais si vous ne regardez pas dans la même vision, il va vous finir. C'est ton enfant, tu ne peux pas le chasser. Donc, pour qu'il soit coincé, il faut que vous regardiez dans la même vision. Maintenant, enfant de l'autre, c'est de payer son transport. Parce que si tu ne payes pas son transport, tu vois, c'est pas le monsieur, c'est pas sa fille. La dame, c'est pas sa fille. Donc, pour les maltraiter, là, c'est sans calcul. Donc, la meilleure façon, la meilleure vision, c'est de le faire. C'est de la faire partie. Tu vas la délivrer. Demain, là, elle va rentrer encore dedans. T'as parlé? Tu vas la délivrer. Demain, elle va rentrer encore dedans. Donc la meilleure façon, c'est de la faire partir. Donc mon fils n'a qu'à m'excuser. Il a bien parlé. On peut la délivrer. Dieu est capable. Mais en même temps, elle peut retourner dedans. Fagot qu'on n'a jamais allumé, c'est difficile.
Et puis après, ça prend. Mais fagot déjà allumé, là. Ça, c'est rapide. C'est rapide. Alléluia. Le débat est clos. C'est fini. Voilà. Dieu va maintenant tracer une nouvelle vie à cette famille-là. Ils n'ont qu'à faire un programme. Une fois dans la semaine, ne serait-ce que 10, 15 minutes, ils n'ont qu'à faire une prière de famille. Mais il faut que ça se passe dans la soirée. Non, pas minuit. 21h comme ça. Voilà, 21h. Ça dépend du programme des enfants. Mais il faut que tous les enfants soient là. Voilà. Si c'est un lundi ou si c'est un mardi, si c'est un mercredi, à chaque fois, vous devez vous rappeler de ce jour-là pour faire la prière. Voilà. Et je vous conseille aussi, vous qui me regardez, voilà. Prenez vos enfants, parce que dans beaucoup de témoignages, un sorcier, il suffit de donner un petit bonbon à son camarade, il initie, un morceau de pain, il initie. Donc, en faisant cette prière-là, ça va chasser cette force-là. Voilà. Décréter des prières. Je n'ai pas dit de commencer de 21h à minuit. Les enfants vont fuir. Voilà. Ils vont fuir. 10 minutes, 15 minutes, c'est bon. Voilà. Vous vous asseyez. Le papa dit que Dieu vous bénisse. Amen. C'est fini. Qui prêche? Et puis chacun doit prêcher. On dit c'est celui-là, on dit c'est celui-là, on dit c'est celui-là. Tour à tour. Voilà. Mais c'est papa qui introduit. Si papa n'est pas là, c'est maman qui introduit. Voilà. Maintenant, après la petite séance là, bon, s'il y a des bobos de famille, vous gérez en même temps. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine, qui s'est bien comporté, qui ne s'est pas bien comporté. Vous voyez que ça fait avancer la famille. Mais ça va déranger celui qui est sorti dedans. Mais toi qui es pour Dieu, ça va te faire du bien. Amen. Que Dieu te bénisse encore. Amen. Voilà. Donc ceux qui ont du cœur qui veulent aider mon frère Moussé, ils seront la bienvenue. Il faut qu'on l'aide parce qu'il est tombé complètement au bas de l'échelle. Or, vous savez où il y a la fin là. Femme du pas là-bas. Oui, hein. Je n'ai pas dit que les femmes sont mauvaises. J'ai dit où il y a la faim. Femme du pas là-bas. Elle gagne en temps. Amen. Amen. Ma fille que vous voyez, elle vient d'Allemagne. Elle a fait, je ne sais pas si c'est un ou des songes. Ce que Dieu l'a dit de faire là, elle n'a pas fait. Elle a fait selon son cœur. Maintenant, l'ange est revenu encore pour lui dire, comme tu n'as pas fait ma commission là, il se pourrait que je t'enlève sur terre. Hein? C'est là, maintenant, elle va venir pleurer. Non. Il dit, vais t'envoyer au paradis. Tu ne veux pas encore aller au paradis. Ce n'est pas bien. Si tu as fait un songe, fais ce que le songe t'a dit. Mais toi, tu fais le contraire. Et elle est venue en retard. Elle s'est mise là-haut. Elle dit non, il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud. Tu vois, le diable. Non, non, non. Même s'il fait chaud, comment? Tu n'as pas resté la vie. Jésus, là, il est né dans la chaleur. On ne souhaite pas, hein. Si quelque chose t'arrive, puis tu tombes tout de suite là, avant que l'ambulance n'arrive là, tu seras sous le soleil. Pas sur un lit même, tu seras par terre dans l'herbe. Tu as quel problème? On te dit, il fait chaud. Moi, j'ai prié chez maman Irène. Combien de degrés de chaleur? Mais je ne sautais pas au début. Non, il fait chaud. Non, il fait chaud. Non, il fait chaud. Non! Si je me reçois à 8 heures, tant qu'il n'est pas 16 heures là, je ne me lève pas. Maintenant, je dis, tu es étonné que
Dieu donne bénédiction maintenant. Tu dis pourquoi? Il faut traverser. Elle fait calcul. Alléluia. Non, il ne faut pas fuir. Hein, faut pas fuir. Tu seras béni. Amen. Voilà, c'est dans ta bénédiction, tu vas donner selon ton bon vouloir, selon ton cœur. Sinon, je ne suis pas ceux que vous connaissez là qui met pression. Je ne mets pas pression à quelqu'un. Non, non. Ça va finir dans 3 ans. C'est-à-dire, quand le nouveau président sera connu en 2020, son décembre là-bas, là, c'est là-bas ça fait. Quand il va commencer à exercer, le nouveau président va commencer à exercer. Bah, très souvent, c'est en octobre, ils font l'élection là. Octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, jusqu'à son décembre, ils font là-bas là. Voilà, c'est là on va faire l'inauguration. Voilà. Si possible, même le président sera là. Amen. Alléluia. J'ai dit le nouveau président sera là. Amen. Dieu connaît déjà son président. Voilà. Donc, j'ai dit à mon fils Jean-Jacques de faire les démarches. Pour... Non, il est faux dedans. Mon fils, il est faux. Non, il est faux. Non. Comme Dieu dit que la mission n'a pas commencé, ça a commencé là. Jean-Jacques allait le prendre dans ma mission. Forcé. Il sera mon porte-parole. Voilà, c'est lui qui va faire le pays. Tu vas parler de Dieu, de Papa Florian, partout. J'ai pris Dieu que ça commence le plus tôt. Voilà, parce qu'il est, il est courageux. Je veux mon miracle aussitôt. Jésus. Ne reste pas là à écouter pour les autres. J'attends pour toi. Amen. Depuis le 20 avril, 20, 27, aujourd'hui c'est le 4. C'est là qu'on boucle la cérémonie de la serviette. Mais on a quand même un lot qui est là. Si tu as perdu ta serviette, je t'attends. Maintenant, si tu as un parent qui est dans une situation pas possible, tu peux venir chercher. Ça y a pas, ça va être là à côté là-bas. Voilà. Donc, ce qu'on va faire tout de suite, c'est de prendre acte 5. Tout le monde, acte 5. Non, acte 19 d'abord. Acte 19. Versets 11 à 12, acte 19. Versets 11 à 12. Laisse-les prendre. Acte 19. Allons-y, ma fille. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Si tu t'es mis sur la liste de la serviette, les maux, les douleurs vont disparaître aujourd'hui. Et aussi, les esprits impurs. Est-ce que vous savez que ces esprits sont plus nombreux que les hommes, que les êtres humains? Est-ce que vous savez ça? C'est-à-dire, ils sont plus nombreux que nous. Ah, vous savez que la masse aussi peut remporter. Hein?
Donc, ce qui te reste à faire, c'est de doubler d'efforts. Si tu doubles d'efforts, quel que soit le nombre, tu vas tous les terrasser. Amen. Que la victoire soit pour toi aujourd'hui. Amen. Que la guérison soit pour toi aujourd'hui. Amen. Ce que je vais te dire, c'est pas parce que elle fait la lecture que tu vas lui donner ton argent pour garder. C'est un exemple. Hein? C'est pas parce qu'elle fait la lecture avec papa Florian que tu vas lui dire non, comme elle est auprès de papa Florian là, je vais lui faire confiance. Ce n'est pas ce qui est dit dans la Bible. C'est pas ce qui... Même moi-même, il ne faut pas me confier ton argent. Confie-toi au Tout-Puissant. Amen. 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 Il y a un frère. On devait casser sur la voie là. Il a sa maison là-bas. Il dit non, lui... Il ne veut pas qu'on casse sa maison ne fait pas partie. Il dit, mon fils, le sang de Jésus est là, l'est là, mais ça est dedans, ils vont casser. Donc, je lui ai tellement mis la pression qu'il allait à la mairie et regardez la liste, sa maison est dedans. Donc, on l'a dit, comme ta maison est dedans, voici ce qu'on te donne pour te dédommager. Puis ils lui ont donné beaucoup de millions. D'après lui, comme c'est moi qui ai fait, qu'il a eu, et puis aujourd'hui ils ont cassé sa maison, lui ne touche pas 5 francs dedans. De garder tout pour lui. Mais avant de garder, d'enlever la dîme dedans. Amen. Amen. J'ai pris son enveloppe là. J'ai pris ce coche. Chut. Et dis-moi, je n'enlève pas de dîme dedans. Et voici qu'un jour, il provoque le Saint-Esprit. Et je lui dis, tu seras suspendu. Il me dit, si tu me suspends, tu dois donner tout mon argent. Alléluia. Je dis, moi, je vais te suspendre. Il est parti envoyer un de ses amis du monde. Puis, les deux sont venus me voir. Il dit, oui, mon ami dit qu'il t'a donné tel nombre de millions. Mais il ne veut pas que 5 francs quittent dedans. Donc, si c'est par exemple 1 million, il veut ce 1 million, il ne veut pas 900 000. Ça peut aller? Oui. Ça peut aller? Oui. Malheur à celui qui va se confier. Alors, donc, je dis, maman, regarde dans tel coin-là, il y a une enveloppe, m'envoyer. Et puis, elle a fait venir. C'est pas lui qui a compté, hein? C'est son ami qui est à côté, là. Elle a dit, il n'est plus chrétien. Mais c'est celui qui est à côté, là, qui est chrétien à sa place. Puis le monsieur a pris son temps. Pris son temps. Il dit, prends ton temps, compte. Quand il a fini là, il dit c'est ça. Je dis que Dieu vous accompagne. Je vais te dire quoi. Avant de faire quoi que ce soit, il faut interroger Dieu. Si je m'étais amusé pour enlever là, c'est des millions là. Quand tu enlèves 10 000 là, ça devient beaucoup. Si je m'étais amusé pour enlever, il a remboursé ça comment? Là, le monsieur tremble sur lui-même. Tu dois tout avoir, je dois tout.
Oh, c'est lui qui taillait les sorciers ici. C'est lui qui faisait tout ici. C'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. C'est pas parce qu'elle est auprès de moi que tu vas dire, je me confie forcément à elle. Attache-toi à Dieu. Ça va te donner cette paix. Ça va te donner cette joie-là. De la serviette que Dieu t'a donnée, parce que c'est lui-même qui a décrété, a commencé à régler tes problèmes. Amen. T'as parlé? Parce que Samuel a parlé. Hein. Quand il parle là, c'est millions qui sortent de sa bouche. Donc toi, tu dois parler en milliards. Amen. Parce que si tu ne parles pas en milliards, millions va te fatiguer. Parce que million, quand tu enlèves 100 francs dedans, ça devient plus million. Ça devient. Oh, quand tu parles à milliards, tu restes dans millions. Et mon Dieu va te donner cette bénédiction-là. Prends Matthieu 3, verset 11, que je prends pour ceux qui sont baptisés. On va terminer. Donc, Dieu a exaucé la prière de la serviette. Celle qui perdait le sang pendant 12 ans, vous connaissez son histoire. Elle a souffert. Le jour qu'elle est tombée sur le vrai Jésus, à l'instant de, ce Jésus-là l'a rétabli. Je me dis que tu es au bon endroit, tout sera correct dans ta vie. Amen. Matthieu 3, verset 11, qui dit Moi, je vous baptise d'eau. Jean-Baptiste dit, lui baptise d'eau. Tout un chrétien doit aspirer au baptême. Il dit, c'est dit que le baptême doit lui faire du bien. Le baptême doit faire en sorte qu'il devienne une nouvelle créature. Donc, Jean-Baptiste dit, lui baptise d'eau. Jean-Baptiste, que vous connaissez, avant qu'il ne naisse, il y a eu une révélation sur lui. Donc, pour prendre baptême d'un homme de Dieu, il faut interroger Dieu. Est-ce que celui qui est en face de moi, là, fait ton affaire? Parce que s'il fait affaire de Dieu, s'il te baptise pour ta sort, T'as parlé? Amen. Alors Jean-Baptiste dit, lui, il baptise d'eau. Poursuis. Pour vous amener. Pour nous amener à la repentance. À la repentance. Je ne vais plus reprendre, je ne vais plus. Si tu buvais, finish. Les tonnes de femmes, finish. Ta femme t'appelle, allô, tu es où? Tu es à Bobo, mais tu dis non, je suis à Korogo. Finish. Amen. Si tu dois, la personne t'appelle. Faut pas laisser portable sonner. Hein. Il faut décrocher. Parce que tu es devenu une nouvelle créature. Sois irréprochable. Oui, ma fille. Mais celui qui vient après moi, après Jean-Baptiste, est plus puissant que moi. Donc tu vas t'attacher à qui? À Jean-Baptiste, mais à celui qui est le plus puissant. Et celui qui est le plus puissant, c'est qui? Jésus. Celui qui vient après Jean-Baptiste est plus puissant. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Bien sûr. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. C'est ça qui est important. Donc, baptême d'eau et puis baptême du Saint-Esprit, tu choisis quoi? Reprends la partie là. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit
et de feu. Tu as crié, hein? André, ça c'est fatigué. Moi, on vient avec les tiens en même temps. Feu! Lui va te baptiser du Saint-Esprit et de feu. Tcha. Adi, il a puissance, il est Saint-Esprit et puis il est feu. Il est tout puissant. Il est Saint-Esprit et puis il est feu. Saint Esprit. C'est l'esprit qui est saint. Dès l'instant qu'il te baptise, ça veut dire que tu... C'est bon, ma fille. Tu les as déjà brûlés, il faut partir. Dès l'instant qu'il te baptise, il se met au devant de toi. Il a dit, il gère ta vie. Si tu fais, comme je disais aux gens du baptême là, a dit toi tu es derrière, dis puis mets-toi derrière moi. Voilà. Oui. Lui il est devant, et puis toi tu es derrière. Parce que où il y a feu là, ça veut dire qu'il y a souci. Amen. Si aujourd'hui, tu vas dans une usine, et puis on te dit, ça là c'est pièce de rechange là, ça veut dire que forcément ta voiture là, ça tombe en panne. Ou bien voilà. S'il y a un médicament à la pharmacie, là, ça veut dire que forcer. Donc, si le Saint-Esprit qui t'a baptisé est au devant de toi, l'ennemi qui va venir là ne pourra pas. Parce qu'il dit qu'il est tout puissant. Et ça, je comprends même. Il ne pourra pas. Quand tu fais un pas, lui, tu fais un pas. Si tu dois tourner à droite, il sait que tu dois tourner. Mais vous ne croyez pas. Si tu dois tourner à gauche, il sait que tu dois tourner à gauche. Tu n'as pas besoin de lui dire. Dieu dit avant que tu ouvres la bouche, il est déjà au courant. Les accidents que vous voyez là, sur l'écran des sorciers, ils font le schéma et comment ça va se passer, combien de personnes tu... qui vont chercher à tuer. Tout ça, c'est déjà planifié. Et puis, ça se réalise maintenant. On se dit, bon, dans ce cas-là, il y a 70 places, il faut qu'on ait 40, on tue 40. Et dans la réalité, il y a 40 qui tombent. Ça se nourrit d'abord, ça se prépare d'abord, avant que ça n'arrive. Donc, toi qui es baptisé par le Saint-Esprit se met devant à cause des dangers. Quand maladie arrive, le Saint-Esprit dégage. Quand stérilité arrive, Saint-Esprit dégage. Quand il y a un souci, piège, tout ce que vous connaissez, Saint-Esprit dégage. Amen. Sans oublier maintenant son feu. Alléluia. Alléluia. Donc si quelqu'un vient devant toi, toi femme, je t'aime. Hein? Saint-Esprit, ce qu'il vient de dire là, est-ce que ça vient de toi? C'est de ça qu'il est question. Si je n'avais pas le Saint-Esprit, j'allais prendre la dîme de sa maison là. Qui l'argent n'a pas 12 dans sa bouche? Qui a pour totem l'argent? Qui veut pas l'argent sur la terre là? Qui l'argent dégoûte? Mais le Saint-Esprit m'a dit, ne touche pas un rond. J'ai pris, j'ai gardé. Le jour J, il est venu envoyer son palabre. Il dit, mon ami, tu es ton argent. Le Saint-Esprit m'a dit de ne pas toucher un rond. Donc c'est comme ça que le chrétien doit marcher. Pendant que le Saint-Esprit est devant, toi qui es derrière, si tu te mets à mentir, si tu te mets à voler, si tu te mets à faire ce que Dieu ne veut pas,
Le Saint-Esprit va regarder derrière pour dire, « Hey, mon ami, il faut m'excuser, hein, parce que je suis là, ici, saint. » Il se retire. Maintenant, toi, tu es livré à toi-même. Ça s'est dit, « Oh là, d'accord. » Tu prends quel côté? Il dit, « Je prends ce yukuli là. » Alléluia. Tu prends quel côté? Non. Attends, je vois où tu es bon. Non. Alléluia. Donc, il est libre de faire son choix sur toi. Parce que le Saint-Esprit n'est plus à côté de toi. C'est pour ça qu'il va te dire, n'attristez pas le Saint-Esprit. Si tu viens t'asseoir auprès de moi pour dire, papa, ça va pas où? Ton Saint-Esprit est où? Saint-Esprit là, ton Saint-Esprit est où? Si on veut évaluer maison, c'est beaucoup de millions. Hein? Je peux jeter éponge. Mais moi, mon cœur, papa. Mon cœur là, ça va pas même pas. Parce que ce sorcier là, s'il vient là, tes feux vont croiser. Et si tu t'attaches à mon Dieu, tes portes là, tes portes, s'ouvrent, les portes s'ouvrent pour toi. Alléluia. C'est pas une affaire de sois béni, non. C'est pas une affaire de sois béni. Tu as dit amen, 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 amen. Et puis tu vois rien, tu dis amen, oh. Si tu attends qu'il dit amen, oh, c'est qu'il est fatigué de ton amen. Il est fatigué de ton sois béni là. Donc, il faut le comprendre déjà. S'il allonge, amen, oh! Il faut le comprendre. Si moi, je te dis, prends ta guérison, tu vois dedans. Amen. Prends ta joie, tu vois dedans. La jeune dame a dit ici que quand j'ai fini mon mariage avec mon mari blanc, arrivé où on fait les papiers là, je rentre, la dame me dit, mais tu viens à quelqu'un? Elle dit, non, je suis seul. Elle dit, tu n'es pas seul, je te vois à quelqu'un. Et ce quelqu'un là, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et ça l'a facilité d'arriver en Europe. Même si ton père est mort dans l'affaire de sorcellerie là, docile est toujours là. Donc il faut que le Saint-Esprit soit toujours avec toi. Et il t'accompagne de feu. Vous voyez comment c'est intéressant? La vie là, elle est simple. Le monde est trop compliqué. Elle, avant de la voir, elle a demandé au Saint-Esprit, est-ce que j'y peux avancer? C'est quand cet esprit a validé qu'en ce moment, on allait faire la dot. J'ai parlé. Je lui ai dit, non, je n'aime pas Maria, on fait bruit, oui, oui. Elle dit oui. On a fait ça. Simple. Laisse le Saint-Esprit te contrôler. Si tu sais que tu es chrétien, tu es baptisé. Saint-Esprit, viens confirmer. Rien ne peut t'arriver. Amen. Même si le sorcier a programmé un accident, un danger, Saint-Esprit qui marche avec toi va écarter ça. Amen. Il ne parle pas de son feu d'abord. Hein. Lui, Esprit, il va faire ton palabre. Maintenant, si tes ennemis exagèrent, c'est là maintenant le feu là vient le consumer. Parce que Dieu là, il est lent à la colère et riche en bonté. Vous avez vu que le feu là l'a mis en dernière position. Ça y est en dernière position. Ça n'a pas dit qu'il ne va pas utiliser. Il peut utiliser, mais il met ça en dernière position. Déjà même toi, ma, le vois déjà même là ton cœur. Ça peut aller? D'où où on va aujourd'hui? Ne te confie pas à quelqu'un. Même à ta maman, même à ton papa. Le monde fait peur.
tout fait peur. Confie-toi au Saint-Esprit. Amen. Il va t'envoyer un beau mari. Amen. Il va t'envoyer un beau boulot. Amen. Tu ne vas plus travailler comme éléphant et puis manger comme souris. Tu vas travailler petit et manger beaucoup. Alléluia. Saint-Esprit est capable. La puissance de Dieu est capable. Personne ne peut t'arrêter. Tant que tu seras accroché au Dieu de Papa Florian. C'est toi-même qui va dire à Jésus que je suis fatigué de vivre parce que j'ai trop vieilli. Là, en ce moment, tu dis à Dieu, laisse ton serviteur s'en aller. C'est pour ça que Dieu m'a envoyé. Longue vie à tout le monde. Amen. Que tu sois ici, que tu sois dans les quatre coins, pendant que tu es en train de me regarder, longue vie à toi aussi. Prospérité totale. Tout ce que l'ennemi t'a volé. Récupère. Et viens donner ton grand témoignage. Au nom de Jésus. Tu vas prier sur ton offrande. Tu vas soutenir. Dieu aussi te soutient. Témoin suis. Aime-le, aime ton prochain, aime-le.
Gloire au Seigneur. Peuple de Dieu sera encore béni. Avant de commencer, j'ai fait une petite remarque tout à l'heure. Dans la maison de Dieu, lorsqu'on vient faire son offrande, c'est avec des pas de danse. Ça, sachez ça. Mettez ça dans. C'est avec des pas de danse. Ça veut dire que Dieu t'a béni, tu es content, en retour, tu viens donner sa part. Ceux qui n'ont pas dansé, on danse. Si la monitrice me voit, qu'elle vient chercher pour les enfants. La monitrice. Il y a beaucoup de bonbons pour les enfants. Voilà. Mais le papier qui entoure le bonbon, là, n'aura bien gardé ça. Il ne faut pas qu'ils vont éparpiller. Elle cherche une poubelle, n'aura mettre dedans. Si elle me regarde, Moni, viens chercher. Même si elle ne voit pas, forcer les enfants, dire Moni, 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 voilà, voilà, voilà. Money, on t'appelle, va chercher le bonbon. Voilà, déjà il est là, voilà. Ah bon. Ah. Voilà, faut les donner, si ça ne suffit pas, tu me fais signe. Tu vois le papier qui emballe là, faut bien garder ça, il faut enlever pour mettre dans la poubelle. Faut pas, ils vont jeter ça chez les voisins. Hein. Ok. Allons-y. Alléluia. Voilà. Lorsqu'on danse, ça veut dire que le cœur est content. Et on est disposé à recevoir de Dieu. C'est comme ça, c'est un secret spirituel. On n'a pas besoin de beaucoup prier. Il faut disposer ton cœur, il faudrait que ton cœur soit dans la joie. Et Dieu fait le reste au nom de Jésus. Pour les nouvelles personnes, nous sommes au chemin du ciel. Force et puissance spirituelle. Avec le Dieu de Papa Florian, il n'y a plus rien à dire. Tout est démontré au travers de la louange, au travers des témoignages, au travers de tout ce que vous voyez. Donc l'homme de Dieu a 2 jours dans la semaine pour recevoir toute nouvelle personne. Les lundis et les jeudis, de 7h à 10h. Vous venez en fonction de votre problème. C'est Dieu qui vous envoie dans sa maison. Donc, avant que vous n'arriviez ici, Dieu connaît déjà vos problèmes. On n'a plus besoin de dire quoi que ce soit. L'homme de Dieu vous dit simplement, allez-y dans la joie, prenez les éléments qu'il faut, et son Dieu qui vous a emmené ici vous donne votre joie au nom de Jésus. Amen. Ça paraît simple, ça paraît facile. Si tu te mets dans cette cadence, le Dieu qui t'a envoyé ici va te visiter comme il a visité plusieurs personnes qui ont témoigné ce jour. En dehors de ces 2 jours de réception, il y a le samedi, qui est le jour de culte comme aujourd'hui. Dieu va vous demander peut-être de prendre le lait prophétique qui fait du bien, c'est un lait spirituel. Prenez ce lait sans hésiter et l'Éternel va aussi sourire à votre cœur au nom de sa puissance. En dehors de ces 3 jours que j'ai cités, du lundi au dimanche, la maison de Dieu est ouverte. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos difficultés, venez, il y a une équipe qui est là, de 7h à 18h. Prenez les éléments que l'Éternel vous demande de prendre. Vous voyez, la jeune fille qui a témoigné tout à l'heure, sa convocation ne sortait pas. L'Esprit lui a dit de venir dans la maison de Dieu. Elle est venue, elle a pris son lait. Et Dieu a ouvert la porte que l'ennemi a fermée. C'est comme ça qu'il faut agir. Ne cherchons pas à voir Papa Florian, parce que bientôt le monde va nous envahir. Donc Papa Florian sera pour tout le monde, vous voyez. Donc maintenant, il a donné des éléments qu'il faut pour que chacun puisse prendre sa part
dès maintenant au nom de Jésus. La fête de la serviette continue. Aujourd'hui est le dernier samedi, comme papa l'a dit. Il y a encore des retardataires. On en a. Il y a une grande quantité qui est là. Tous ceux qui veulent la serviette, c'est les jours ouvrables au chemin du ciel. Les lundis, les jeudis et les samedis. En dehors de ces trois jours, la serviette prophétique, je ne parle pas de la serviette ordinaire, la serviette de cérémonie, là, elle n'est pas disponible en dehors de ces trois jours. Lundi, jeudi et samedi. Matin, 7h, 10h. 7h, 10h. En dehors de ces jours, si vous envoyez quelqu'un pour prendre la serviette, elle n'est pas disponible. Elle n'est pas disponible parce que c'est une serviette spirituelle consacrée. C'est pour un événement bien précis. Mais comme il y a des retardataires, comme il y a des gens qui vont faire perdre leur serviette, on a gardé un stock pour ces personnes. Sinon, normalement, après aujourd'hui, on ne devait plus vendre la serviette. Mais comme il y a les exceptions, les trois jours sont réservés pour les retardataires, pour tous ceux qui veulent encore prendre la serviette. Que Dieu nous bénisse. Everybody, tout le monde! Il connaît tes besoins. Ah, c'est lui qui t'a créé. Autant favorable. Il le fera. Yeah, maman, tu as tout à gagner. Alléluia. Esprit, libère-nous. Esprit, libère-nous un peu, pardon. Esprit, sort de nous. Il sort de nous. Afin que nous soyons libérés. Esprit, sort de nous. Afin que nous soyons libérés. Oui, comme oui, comme oui, comme oui. Esprit dégage mon chemin. Afin que je sois libéré, je sois libéré. Comme oui, comme oui. Esprit dégage mon chemin. Afin que je sois libéré, je sois libéré. Merci. Amen. Avant de passer au cantique, il y a le papa qui a posé une petite question. Peut-être que cette question, beaucoup la posent, mais ils ne savent pas la réponse. Il demande si lui perd sa serviette, que quelqu'un ramasse, est-ce que le pouvoir de Dieu est toujours dans la serviette? L'onction de Dieu est toujours dedans. Si la personne sait ce que c'est là, elle va l'utiliser, elle va bien l'utiliser. Alléluia. Si un corps habillé a perdu sa tenue, et puis quelqu'un d'autre a porté, c'est vrai, il a la tenue, mais ça n'agit pas sur lui, par rapport au concernant lui-même. Voilà. Sinon, la puissance est toujours là. Mais il ne sait pas que quelque chose est dedans. Ça est dedans à vie. Maintenant, s'il sait, il utilise à bon escient. Gloire au Seigneur. La cérémonie a fait qu'on a oublié un peu les cantiques. Les cantiques sont toujours là. Hein. Ça est toujours là. Beaucoup. Je veux être...
bien. Je veux être bien avec Jésus. Moïse, il est bien. Daniel, il est bien. Même Papa Florian, yeah. Il est bien. Joseph, Joseph, hey. Alléluia. C'est pas chanson d'Angelo, hein. Il fait comme si c'est pour lui, c'est pas chanson, hein. Ça soit en décembre, c'est pour Papa Florian. Il a chanté déjà dedans. Voilà. Il y a plus de 30 chansons que tu auras en décembre. Il y a plus sorcier devant toi. Allons-y à tout. Amen. Donc les cantiques sont toujours disponibles. Il y a un lot qui arrive, comme Papa l'a dit. Il y a un lot qui arrive à prêter à avoir ces cantiques. Beaucoup ont commencé à faire des réservations. Il faut faire aussi des réservations. Et puis, les gens de la diaspora, beaucoup veulent les cantiques, mais par mail. Mais on a un petit souci de mail. Lorsqu'on envoie, ils ne reçoivent pas ces chansons. Le jour que vous voulez passer une commande, on va préférer vous envoyer des clés USB. On va mettre ces cantiques là-dedans. Ça serait mieux que le mail. Parce qu'à chaque fois qu'on envoie, on nous dit que ça n'arrive pas. À chaque fois, ça n'arrive pas. Donc, vaut mieux passer maintenant par les clés USB. Si vous voulez les cantiques, vous attendez, vous faites une commande et on met ces clés-là dans vos bagages. Vous aurez dans vos maisons, dans vos véhicules, partout où vous partez. Amen. Donc ces cantiques-là sont disponibles. Vous faites votre offrande, on va vous réserver ça. Alléluia. Avant de terminer, je vais vous dire petit quelque chose. La serviette qui est là, la serviette de cérémonie là, si vous n'avez pas, je vous exhorte à avoir. Je vous dis que ce n'est pas du commerce, mais c'est une inspiration divine. Parce que tous ceux qui ont pris cette serviette, les gens de l'Europe, ont commencé à envoyer des témoignages. De la même manière, le papa a donné sa prière à Dieu. Et puis l'ange est descendu dans sa maison et il a commencé à faire le nettoyage. Son témoignage là est ressorti aux États-Unis. Il y a un monsieur que son papa fatigue depuis des années. Son papa fatigue tous ses enfants. Canada, on les fatigue tous. Mais quand la serviette est rentrée, lorsqu'il a fait la même prière, je vous dis qu'il dort. Son papa se présente. Les anges se présentent. On capture son papa. On dit « Fais de lui ce que tu veux aujourd'hui. » Parce que c'est terminé pour lui. Vous voyez, c'est le jour que la serviette est rentrée. Donc cette serviette-là, ça met fin à votre Goliath. Au nom de Jésus.
Le samedi dernier, on a communié. Ceux qui n'étaient pas là, qui ont déjà pris le baptême, si vous voulez communier, mettez-vous devant. Je n'ai pas deviné pendant deux fois. Hein. Deux fois là, c'est le diable. Toi que Dieu de Papa Florian a baptisé ici, qui n'était pas là, voilà, on apprête maintenant, oui. Un cantique, un beau cantique. Vous n'étiez pas là samedi dernier. Non, les enfants de Jésus-Christ sont nombreux. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le Père, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de vie. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Oh, partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de la pitié, le pain de vie. Yeah.
Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Ô Seigneur, ô Seigneur. C'est l'amour, oh, puis
Amen. On a fini. Est-ce qu'il y a de grands témoignages? Témoignages vivants, témoignages puissants. Si un an tu te lèves. D'accord. Je bénis le Dieu de Papa Florian. Je suis une ressuscitée qui s'est arrêtée devant vous aujourd'hui. J'étais morte. Morte. Au dernier de l'année dernière, je suis tombée malade, gravement malade. J'étais morte. C'est Dieu. Papa, ils ont appelé ici pour prier pour moi à distance. En France, là-bas. J'étais vraiment morte. J'avais des machines partout. Partout. J'ai une amie, comme on prie aussi, le même Dieu, le Dieu de Papa Florian, celle qui est passée à l'hôpital. Elle a appelé papa. Elle dit, ça va pas. Ça va pas du tout. Il y a Monique qui prie, qui est en train de mourir. Papa priait en distance pour moi. Papa priait. Me voilà debout aujourd'hui devant vous. Ouais. Je suis venue plusieurs fois ici dans mon coma. J'ai fait plusieurs des sorties. Je suis venue ici à la chambre haute plusieurs fois. En songe. Dans mon coma. Je suis venue plusieurs fois croiser Papa Florian à la chambre haute ici. Je venais à chaque fois. Je venais me balader. Je suis allée jusqu'à dans mon village aussi. Je suis allée dans mon village, et après j'ai tourné dans mon village, j'ai dit je rentre. Donc moi qui vous parle aujourd'hui ici, le Dieu de Papa Florian, c'est un Dieu réel. Ouais. C'est un Dieu réel. Mes enfants ont eu peur. J'ai 4 gosses, 2 petits-enfants, je ne suis pas une petite fille. Mes enfants ont eu peur. Sans la prière de Papa Florian, j'étais au passé. Vous me voyez debout là, j'étais paralysée. Je ne marchais pas, je ne mangeais pas pendant des mois. C'est en décembre, j'ai été libérée. Oui, en décembre. Donc, quand Papa a dit qu'il y avait une cérémonie, j'ai dit je serai obligée de faire un tour ici quand même. Puisque je marche maintenant. Sinon, j'étais paralysée. Je marchais avec l'ambulateur. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. J'étais paralysée. Mes deux épaules, là, ça, je ne peux pas les mettre en haut en ce moment. Et mon pied, je suis vivante. Amen. Je rends grâce à Dieu, le Dieu de Papa Florian. Croyez à ce Dieu-là. Ouais, croyez à ce Dieu. Il est merveilleux. Où le médecin avait dit que c'était fini pour moi. Il n'y avait pas d'espoir pour moi. Merci. Merci.
Moi, je dis merci au Dieu de Papa Florian. Parce que le lundi, mon fils de 9 ans partait à l'école. Il était dans un gbaka. Le gbaka a fait vraiment un accident. Tout le monde était blessé dedans, sauf mon fils. Parce qu'il avait le sang de Jésus dans son sac. Quand ça s'est passé, son sachet est déchiré. C'est le sang de Jésus qui criait. Mon sang de Jésus, mon sang de Jésus. Donc je rends gloire à Dieu. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Sois conduit par le Dieu de Papa Florian. Reviens avec de grands témoignages au nom de sa puissance. Alléluia. Vous restez en place. On va sortir par ordre. Tous ceux qui veulent la serviette, vous pouvez passer prendre. Tous ceux qui veulent la serviette. Ceux qui veulent aussi le lait, c'est par ordre. On commence par là. Bye.
Alléluia. Si vous êtes déjà sur la liste, vous allez au bureau pour récupérer votre serviette et vous redescendez dans la salle pour faire bénir ça. Mais si vous n'êtes pas sur la liste que vous voulez acheter maintenant, vous êtes prié de rester dans le rang et puis venir prendre ça ici directement. Que Dieu nous bénisse. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Oui, je raconterai les œuvres de mon Sauveur. Je ne mourrai pas, non. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Son nom, je vivrai, je ne mourrai pas, non. Je ne mourrai pas, je vivrai. Non, 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 non. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Yeah. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai, je raconterai. Je raconterai les bontés de mon Sauveur. Je ne mourrai pas, yeah. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Sa roulette et son bâton me rassure, me rassure. Je ne mourrai pas, non. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, 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 non. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, yeah. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai. Je ne mourrai pas, mais je vivrai, je réussirai, je voyagerai, je me marierai, je prospérerai et j'avancerai. Non, je ne mourrai pas, je ne mourrai pas, je ne mourrai pas. Non, 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 ma folie. Jésus, tu connais le numéro portable de l'Éternel? Invoque-moi le jour de la détresse et je te répondrai. Est-ce que tu as péché? Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es d'accord? Alors lève les mains comme ça. Hey! Mouillé, 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 mouillé. Évite, évite-toi, évite, évite-toi. Et mouillé, 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 mouillé. Évite-toi. Non, je ne mourrai pas. Non. Je ne mourrai pas. Non. Je vivrai. Oui. Je avancerai. Oui. Je me marierai. Oui. Je prospérerai. Oui, 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 j'enfanterai. Oui. Oh, je ne mourrai pas. Non, je ne mourrai pas. Non, je ne mourrai pas. Non, je ne mourrai pas. Je dis ma folie. C'est Jésus. Hey. Je dis ma folie. C'est Jésus. C'est qui même c'est? Oh, il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Ta folie s'appelle comment? Oui, ton Dieu s'appelle comment? Ton Sauveur comment? Je n'entends pas comment? Tu dis il s'appelle comment? Tu dis il s'appelle comment? Comment, comment, comment? Comment, comment, comment? Hey.
est-ce que je veux la joie ce matin? Ouh! Merci Seigneur pour ta présence. Hey! Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de Dieu. Je raconterai. Ah non, je ne mourrai pas. À manger, oh, c'est toi. J'ai une place pour dormir, et c'est toi. Si je dois aller de l'avant, et c'est toi. Si je dois me marier, oh, c'est toi. Et si je dois enfanter, oh, c'est toi. Ah, si je dois voyager, oh, c'est toi. Oh, si je dois être béni, c'est toi. C'est pourquoi je dis Jésus, oh, je te fais c'est Emmanuel, je te fais c'est le Dieu qui pourvoit, oh, je te fais c'est toi qui bénis, oh, je te fais c'est oh, Jésus, oh, je te fais c'est le Dieu de miracles, je te fais c'est oh oui, Jésus, oh, je te fais c'est toi le Dieu tout-puissant, oh, je te fais c'est est-ce que tu fais c'est à ton Seigneur? Hey! Merci Seigneur, t'es plus en confiance. Ensemble, on s'en va. C'est toi. Encore. C'est toi. Encore une fois. C'est toi. Ah. Je dis, mon dabalio, c'est toi. Ah. Si je gagne à manger, oh, c'est toi. Seigneur, si j'ai une place pour dormir, oh, c'est toi. Si j'ai quelque chose à manger, oh, c'est toi. Si aujourd'hui je suis marié, oh, c'est toi. Si j'ai du travail, oh, c'est toi. Si je suis en bonne santé, oh, c'est toi. Si je dois voyager, oh, c'est toi. Oh, c'est toi. C'est toi, oh Jésus, c'est toi.
Marie. Je vous assure, j'ai parcouru l'univers, cherchant un refuge, car je n'avais pas la paix. De marabout en féticheur, de religion en ordre mystique, mais je n'ai rien trouvé. Brédouille. Puis un merveilleux jour, j'ai rencontré Jésus-Christ, il a changé ma vie. En lui j'ai trouvé l'amour, depuis que je l'ai connu. Je peux affirmer qu'il n'y a personne comme où j'ai longtemps marché, 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 j'ai tourné en rond, tourné, tourné, j'ai même fouillé, ah oui j'ai fouillé, ah, ah, ah oui j'ai fouillé. Jusqu'à fatiguer, j'ai marché jusqu'à, mais je suis fatigué, mais je n'ai rien trouvé. Ce que je veux, c'est louer mon Jésus. Louer. Oh, ce que je veux, c'est louer Emmanuel. Ce que je veux, c'est louer mon papa. Louer. Oh, ce que je veux, c'est louer El Shaddai. Ce que je veux, c'est louer mon Jésus. Louer. Il m'a sauvé, oui, il m'a délivré. Louer.
Voilà pourquoi je me mets à louer. Ce que je veux, c'est louer mon Jésus. Oh oui, oui, je veux louer. Je veux louer Yahvé. Ah oui, je veux louer. Louer Emmanuel, celui qui m'a sauvé. Je veux louer mon roi. Louer Yahvé Jiré, celui qui s'est donné pour me libérer. Je veux louer. Je veux louer. Je veux louer papa. Je veux louer, je veux louer mon roi. Je veux louer, je veux louer Jésus. Je veux louer, louer, louer. Ce que tu veux, ton Dieu va te donner. Ce que tu veux, ton Dieu va te donner. Si tu as la foi, ton Dieu va te donner. Ce que tu cherches là, ton Dieu va te donner. Ce que moi je veux, mon Dieu peut me donner. Si j'ai confiance, mon Dieu peut me donner. Si j'ai la foi, il peut me donner. C'est pourquoi ce que tu veux, ton Dieu va te donner. Va te donner, arrive va te donner, il va te donner, il va te donner. Tu veux enfant, tu veux quoi? Il va te donner. Tu veux voyager, tu veux? Il va te donner. Ce que tu veux là, il va te donner.